Alors Patrick, tu es né en Normandie, mais tu as passé ta jeunesse, ton enfance et ton adolescence en Île-de-France. On ne peut pas dire que ce soit une région spécialement destinée à la pratique de l'alpinisme. D'où t'es venu ce goût et cet amour de la montagne? En fait, le goût de la montagne, je pense qu'il m'est venu de ce que dans ces pays-là, la platitude du pays me donnait une sorte de spleen assez profond. Je faisais beaucoup de football, beaucoup de choses et tout, mais il me manquait le mystère. Et je pense que c'est plus à ce niveau-là que m'est venue une sorte d'attirance vers des mondes où il y avait des choses à découvrir. Et c'est un petit peu plus tard, en fait, que l'alpinisme s'est un peu greffé dessus, parce que dans le collège où j'étais, qui était au milieu de la campagne, quand je suis rentré chez les grands, en seconde, j'ai découvert une bibliothèque dans laquelle il y avait deux livres de montagne. Et j'étais le seul de toute ma classe, en fait, à être complètement scotché à ces deux livres pendant une année entière, passant de l'un à l'autre. Et alors, sans imaginer à ce moment-là une seconde que les deux montagnes qui faisaient l'objet de ces livres deviendraient vraiment un petit peu des pierres de touche de ma vie d'alpiniste, c'était Mont Blanc, Jardin féerique de Gaston Rébuffat, et puis toujours du même, Cervin, cime exemplaire. Et alors, quand je le regarde comme ça, ce livre maintenant, mais j'ai l'impression de le connaître par cœur, parce que j'ai dû le lire, le relire, le contempler, rêver devant surtout, je pense. J'ai dû rêver beaucoup, beaucoup. C'était des images toutes simples à l'époque, hein, mais des photos qui étaient surtout très évocatrices.